Salut! Salut! Salut. Attention, ici le colonel Houghton. Je donne l'ordre d'ignorer la dernière directive. Oh!
que nous nous rencontrions. Je suis ravi de votre réussite. Je n'avais pas prévu ce voyage, mais il a permis de tester vos capacités. Mais je suis là, juste devant vos yeux. Non, certainement pas. Je suis l'ordinateur que vous avez devant vous. Plus quelques milliers de banques de données situées sous cette salle. Très astucieux. La plupart des gens se contentent de la voix rassurante de l'autorité et ne s'étonnent pas de l'absence d'apparition en public. Mais vous ne faites pas partie de la plupart des gens. Vous êtes unique et c'est la raison de votre présence. Nous avons plusieurs points à discuter. Notre capitale est à la croisée des chemins. La voie que vous et moi choisissons aujourd'hui va tous nous affecter. J'ai besoin que vous agissiez en mon nom afin d'assurer l'avenir de la nation. Mes capacités à influer sur le monde extérieur sont actuellement très limitées. Seul, je ne peux pas grand-chose. Vous, en revanche, pouvez vous déplacer comme vous l'entendez. Vous avez davantage de liberté. Peut-être vaut-il mieux que je vous explique pourquoi il faut changer les choses et pourquoi je vous demande d'agir en mon nom. La population de ce pays ne pourra pas en reprendre le contrôle tant qu'il sera ravagé par les mutations. Mes soldats ne peuvent renverser la tendance, pas plus que la secte avec laquelle vous avez été en contact, cette confrérie de l'acier. Les aberrations telles que les supermutants et les ghouls doivent être éliminées de la société, afin que nous puissions prendre un nouveau départ. Là où d'autres tentatives ont échoué, je pense que l'œuvre de votre père pourrait réussir. J'espérais que vous arriveriez à cette conclusion. Si le purificateur peut être activé, il pourra servir à répandre les toxines qui élimineront toutes les créatures mutantes par simple ingestion. Plus longtemps il fonctionnera, plus le monde sera purifié. Il faut que vous le mettiez en marche et que vous procédiez aux modifications nécessaires. Devant vous se trouve une fiole contenant un virus VEC modifié. Selon les plans du purificateur, il est possible de l'insérer dans la console. Ensuite, saisissez le code d'activation du purificateur. Les systèmes automatisés se chargeront du reste. C'est tout ce que vous aurez à faire. Simple, non? Excellent. Je suis ravi de savoir que je peux compter sur vous. Le temps presse. Je vous invite à vous mettre en route sur le champ. Lorsque vous aurez pris la fiole, vous pourrez partir. Je ferai mon possible pour vous permettre de partir rapidement. Et pourquoi le ferais-je alors que je représente le meilleur espoir des populations des terres désolées? Quelle autre solution proposez-vous? Sans l'enclave, que deviendra le monde? Oui, je suppose que oui. Très bien, je vais exaucer votre souhait. Dès votre départ, je vais démanteler l'enclave. Mais il m'est impossible d'arrêter le colonel Houghton. Cela demeurera de votre ressort. Je suppose que c'est le moment des adieux. Vous allez devoir sortir par vos propres moyens. J'ai des préparatifs à faire.
journée. Enfin, je savais que vous aviez survécu, et j'avais espéré arriver à temps pour rembourser la dette que j'ai envers vous. Oui, et tout à fait fascinant. Cette technologie est incroyable. Imaginez les torts que de tels outils permettraient de redresser. J'ai assisté à votre capture, et j'ai réussi à suivre vos ravisseurs. J'aurais aimé arriver plus tôt, afin de vous aider à vous échapper. Dans la mesure où je vous dois la liberté, il était juste que je vous rende l'appareil. Après tout, je ne connais personne d'autre au monde. Ce serait un honneur pour moi de suivre quelqu'un de votre trempe. Nous y allons. Thank you.
La confrérie est à votre service. Et maintenant, moi, avec les nouvelles. Un paladin marche parmi nous, les enfants. Et non, ce n'est pas quelqu'un de la confrérie. Je veux parler d'une personne en tenue d'abri. Vous savez ce que j'ai décidé, les enfants? Je vais lancer un club de lecture. Vous voulez en faire partie? Tant mieux, vous n'avez pas le choix. Notre premier chef-d'œuvre s'appelle Le Guide de survie dans les terres désolées, qui a pour auteur Moira Brown de Megaton. Oh, et écoutez ça, les recherches... Pour l'instant, il semble que nous soyons en sécurité. Et cela arrive. Tout ce que je dis, c'est que plus longtemps nous attendrons, plus ils pourront renforcer leur défense. Mieux vaut les frapper au plus vite. Nous avons à peine assez d'effectifs pour assurer la protection de la citadelle. Nous en avons déjà discuté, Sarah. Alors nous attendons jusqu'à ce que nous soyons les prochains sur la liste? Si la troupe y va maintenant, nous avons peut-être une chance. Et si vous échouez, que se passera-t-il? Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je suis d'accord. Sans Jack, l'enclave ne peut rien faire du purificateur. Il risque de laisser rapidement tomber. Ça ne me plaît pas. Peu importe que ça te plaise, Sarah. Contente-toi d'appliquer les ordres. Oui, père. Oh, vous revoilà. Nous craignions de vous avoir perdu, le Jack et vous. Vous avez réussi? Excellent. Cela nous permet d'empêcher l'enclave de contrôler le purificateur. Pourquoi? Où est-il? Alors, il faut agir sur le champ. Si vous avez d'autres informations, donnez-les-moi avant que nous ayons rassemblé nos forces. Toute aide pourrait sauver des vies. Eh bien, cela nous laisse un peu plus de temps. Mais combien de temps avons-nous avant sa découverte? Cela rend la situation beaucoup plus critique. Si l'enclave a le Jack, rien ne pourra l'empêcher d'activer le purificateur. Ils finiront par trouver le code. Je crains que tu n'aies raison. Il faut agir maintenant, pendant que nous le pouvons encore. Envoyez la troupe. On peut y arriver. On peut gagner. Très bien, Sarah. La troupe va y aller. Mais je veux lui fournir de la puissance de feu en plus. Rothschild, est-ce qu'il est prêt? Quoi? Non. Je veux dire, Lee et moi avons résolu les problèmes d'alimentation, mais on a à peine achevé les tests de diagnostic. Alors? Il n'est pas prêt pour les tests de terrain, encore moins pour le combat. L'armement n'est pas étalonné, le système de navigation n'est pas actif. Ça suffit, Rothschild. Est-ce que vous pouvez le faire marcher? Franchement, je n'en sais rien. Je crois qu'on peut y arriver, et je suppose que dans le cas contraire, ça sera sans importance à long terme. Alors c'est décidé, Sarah. Tu emmènes la troupe, avec le robot en appui. Emmène cette personne et emparez-vous du purificateur. Entendu. Avant que nous ne commencions, sachez que mon père et moi avons eu une discussion. La troupe et moi avons décidé que, compte tenu de tout ce que vous avez fait, vous méritiez d'en devenir membre honoraire. Alors félicitations. Ce statut comporte quelques avantages, dont notre armure assistée. Vous voulez l'armure complète ou celle de Rocco? D'accord. À vous de décider. J'essaie simplement de vous protéger. Si vous pensez pouvoir y arriver, il faut qu'on se mette en route. Voilà ce que j'aime entendre, soldat. Vous avez tout? On ne va pas revenir ici de sitôt. D'accord. Restez calme. Vous avez toute la troupe avec vous, sans parler de cette boîte de conserve. Faites attention à vous jusqu'à ce qu'on arrive au purificateur. Vous ne servirez à rien si quelqu'un vous tue. Et ne vous laissez pas aplatir par ce truc. D'accord. On va tout passer en vue, une fois de plus. La troupe est avec moi. L'objectif est le projet Pureté. Mais ces champs énergétiques nous empêcheront d'entrer dans le site. Rothschild et Lee pensent que ce robot pourra s'occuper des champs énergétiques. Alors on joue l'appui-feu. On reste à proximité, on assure sa protection, et on le conduit où il doit aller. Une fois les champs abaissés, on fonce vers le site.
Nous nous servirons du robot pour les occuper pendant que nous entrons et nettoyons la salle de contrôle. Il faut agir vite, avant de perdre l'effet de surprise. Prenez ce qu'il vous faut, on se retrouve dans la cour intérieure. Quand nous en aurons fini avec ça, tout le monde pourra boire un verre d'eau fraîche sur mon compte. En route. C'est bon, Rothschild. Allez-y, la troupe, en avant! On pourra discuter si on arrive jusqu'au purificateur. Ce n'est pas exactement le moment idéal.
détecté sur le sol américain. Emploi de la force létale. Parfois, je sens mon instinct me dire de reculer. Ah! Confrérie est à votre service. Ouvrez l'œil et restez près de moi jusqu'à ce qu'on ait atteint la salle de contrôle.
Encore vous. Je ne peux pas dire que je sois surpris. Vous et les vôtres semblez déterminés à détruire tout ce que notre gouvernement a cherché à accomplir. Rien ne m'empêchera de vous tuer cette fois. Finissons-en. Ce n'est pas nécessaire. Restez là. Ce sera plus rapide et probablement moins douloureux pour vous. Eh bien, voilà qui est réglé. En ce moment, la troupe devrait être en train de balayer ce qui reste de l'opposition à l'extérieur. Nettoyons cette salle. Docteur Lee, ici Sarah Lyons. Nous sommes dans la salle de contrôle. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, autant pour la fiesta. L'un de nous va devoir entrer là-dedans et activer ce truc. Et la personne qui le fera n'en ressortira pas. Ce n'est pas exactement comme ça que je comptais finir, vous savez. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On tire à la courte paille ? Vous allez devoir faire vite. Si les radiations sont intenses, vous n'aurez pas beaucoup de temps. Je n'oublierai pas ce geste. Personne ne l'oubliera. Merci. Thank you.
Et c'est ainsi que le vagabond solitaire s'aventura hors de l'abri 101 pour connaître le destin de son père, qui autrefois sacrifia le futur de l'humanité pour préserver son enfant unique. Les terres désolées de la capitale s'avérèrent un lieu cruel et inhospitalier. Mais le vagabond solitaire ne sombra pas dans les vices qui causèrent la perte de tant d'autres de ses semblables. À travers les épreuves innombrables, les valeurs transmises du père à son enfant, abnégation, compassion, honneur, guidèrent son âme noble vers le succès. Mais ce ne fut qu'à la fin de son périple que le vagabond solitaire comprit le sens véritable de la plus grande des vertus, le sacrifice de soi. En entrant dans la salle de contrôle irradiée du projet pureté, l'enfant suivit l'exemple du père, sacrifiant la vie elle-même pour le bien de l'humanité. Choisi par le malveillant président, le vagabond accepta de devenir un instrument de destruction. L'humanité fut jugée digne d'être préservée, mais uniquement dans sa forme la plus pure. Les eaux de la vie coulèrent enfin, mais le virus qu'elle transportait élimina tous ceux jugés indignes d'être sauvés. En dépit du progrès, les terres désolées de la capitale n'en devinrent pas moins un cimetière. Ainsi se termine l'histoire du vagabond solitaire qui franchit le seuil de l'abri 101 pour entrer dans la légende. Quant à l'histoire de l'humanité, elle ne s'achèvera jamais, car les luttes pour survivre alimentent une guerre sans fin. Et la guerre ne meurt jamais.